bienvenue dans ce nouveau vlog. Bonjour, j'espère que vous êtes tous très bien, vous êtes en pleine forme. On est mardi matin, il est 8h45-46 du matin à peu près. Voilà, je suis désolée pour hier, mais je n'étais pas bien. Alors, je ne sais pas que je n'étais pas bien psychologiquement, j'allais très bien psychologiquement, j'étais pas bien physiquement, j'avais des chutes de tension. J'étais très très fatiguée, je vous ai juste fait une petite vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très très bon week-end. Nous c'est été, on a fait quelques courses samedi, on est allé chez Eman chercher des petits habits pour Angie, partir en vacances, etc. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Voilà, on a fait un peu les magasins, mais juste moi et mon mari évidemment, puisque les enfants ne sont toujours pas retournés dans tout ce qui est magasin et tout ça. Donc voilà. Et dimanche, on l'a passé tranquillement à la maison. Mon chéri a finalisé son bureau et voilà. Moi, j'ai fait des machines, des choses ainsi. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, ben, c'est la première fois qu'on va à la kiné ici en Inde avec Angelina. C'est une heure de kiné. Et ma maman va venir chercher les trois grands pour que je puisse être toute seule avec Angelina parce que ben, déjà, il y a le Covid. Donc avec l'histoire du coronavirus, on ne peut pas évidemment. On ne peut pas évidemment être à plusieurs dans le cabinet. Deuxièmement, ce sont des enfants et eux, ils n'en ont un peu rien à faire de rester là pendant une heure sans bouger. Donc voilà, donc du coup, je préfère. Enfin, ma maman m'a dit, je vais venir chercher les grands. Et comme ça, tu as le temps d'aller avec Angie. Et du coup, elle va pas redescendre en fait. Enfin, pas faire une dérogation, ça sert à rien. C'est Dimi qui ira chercher les enfants. Qui ira chercher les enfants en rentrant du taf tout à l'heure. Donc voilà l'organisation. Donc voilà, aujourd'hui au boulot, ça va déjà être ça. Parce que là, il est 9h, je vais sonner à mon chéri. Ensuite, je dois m'habiller, je dois habiller Angie, je dois faire habiller les trois grands. Et être à 10h30, donc dans 1h30, prête. Et déposer les trois grands, ma maman s'arrête à la petite place ici qui se trouve vraiment quelques centimètres de chez moi. Pour ne pas venir devant ici parce que c'est très difficile. Et bon, de toute façon, voilà. Donc du coup, elle va prendre les enfants là en dessous, les trois grands, en voiture évidemment, et rentrer chez elle. Elle habite à 2 minutes. Et moi, je vais aller à pied jusqu'au kiné qui est à 7 minutes ou 6 minutes à pied de chez moi, enfin même pas. Donc, je crois qu'il m'annonce 6-7 minutes, mais je marche assez vite et je connais le chemin par cœur puisque ben, je vois où c'est à peu près. Donc ça ne me prendra pas longtemps pour y aller. Donc voilà, en sortant de là, j'irai sûrement chez Creuvat chercher. J'irai sûrement chez Creuvat chercher 2-3 petites choses qu'il me faut là-bas. Donc voilà, voilà. Sinon, rien de plus, rien de neuf, que je suis toujours en pyjama. Donc voilà, c'est mon t-shirt de pyjama, j'ai mis ça avec un short. Donc voilà, j'ai beaucoup mieux dormi cette nuit-ci, ça va beaucoup, 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 beaucoup mieux. Je sais pas ce que j'ai eu. J'avais des bouffées de chaleur, mon cœur qui battait assez vite. Quand je me mettais debout, j'avais la tête qui tournait. Enfin, j'étais super pas bien. Jusqu'à 10h du matin hier, 10h30, c'était comme ça. Donc c'est ça qu'hier, j'étais plus coolos. Donc aujourd'hui, je vais changer la litière des chachas. Je vais vider le lave-vaisselle. Je vais replier la manne de linge que j'ai fait tourner hier. Aller à la kiné avec Angelina. Et quand mon chéri rentrera tantôt, on ira faire les chambres des enfants à fond. À fond, donc aspirateur partout. Changer les draps de matelas, etc. Donc voilà, une journée un peu chargée. Mais voilà, ça va aller. Donc là, je vais déjeuner, je vais appeler mon chéri. Et voilà. Il faudra aussi que je vous parle du fait que j'ai ma première collaboration qui est arrivée. Et donc, je vous parlerai de ça plus en profondeur. Donc voilà, on se retrouve tantôt. Bon, je vous reprends, il est 9h50 du matin, j'ai tous les chieurs. J'ai tous mes trucs, enfin, les choses, vous voyez, les machins qui bougent autour de moi. C'est laid. Voilà, ils ont fait leur coupe de cheveux. Vous avez vu? C'est quoi que t'as dit ça, hein? T'as un quoi? Un beau gosse. Un beau gosse. Et Valentino s'est coupé les cheveux aussi. Ouais, mais lui ça va pas trop bien parce que là les sa mèche elle m'a mise, alors je suis pas là.
Il n'est pas là, qu'il a dit. Il n'est pas bien coiffé. Et là, vous avez Myrtille, hein, Et j'en ai bien qui coiffé. a squatté mon lit toute la nuit. Ouais. Quand on a. Et vous avez petite lettre là au fond. Et vous avez bébé qui sent mauvais, qui est là quelque part. Là, vous voyez? Coucou! Tu dis coucou? Elle a mis ses orthèses. Elle va aller à la kiné. Aujourd'hui, pour la première fois à la kiné. Pas pour la première fois à la kiné, mais pour la première fois à la kiné ici en Inde. Donc du coup, il faut que j'aille à pied jusque-là. C'est pas très loin, hein. C'est pas super loin, mais je sais pas trop. Voilà. Et à quelques coronavirus, là-bas, l'été, je prends souvent les enfants avec pour aller à la kiné. Comme ça, ils voient leur petite sœur travailler, etc. Mais là, avec le coronavirus, c'est une seule personne qui peut rentrer avec l'enfant. Donc voilà. Donc du coup, ils vont aller chez leur mamie. T'as fait quoi comme tâche là? Mais n'essuie pas tes mains là-dessus. Oh! Et frotte maintenant. Donc voilà, donc du coup, maman va venir chercher la petite place plus loin, dans une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Ils sont tous habillés, ils sont tous en train de déjeuner, de boire des trucs, de la fraise, etc. Et voilà, moi je vais Elles sont finir de trop me préparer. mélangées. Oui, c'est des fraises bananes de chez Lidl. Celles-ci que j'ai repris chez Lidl ce week-end. Elles sont très bonnes, c'est la marque Poulou qu'on connaît, mais le souci, je vous en sors une, c'est qu'elles sont. Trop petites. Elles sont bien petites. Mais voilà, elles sont très bonnes. Je les utilise pour les bouches. Et voilà, elles sont très très bonnes. Donc voilà. Et je voulais vous montrer, ah oui, la crème que j'utilise pour. Vous avez parlé de Calmiderm. Plus gentil. Voilà, pour les fesses d'Angelina. Mais c'est pour les bébés, pour les femmes enceintes, pour enfants, pour tout. Hein. Donc voilà, c'est à base de plantes uniquement. Et donc dedans, il y a de la calendula, de la camomille, de la lavande et un peu de menthol. Mais très peu de menthol, franchement, elle le sent pas du tout. Et moi, je mets ça en fait sur ces petites irritations qu'elle a avec les couches lavables. Elle a des petites irritations, pas au niveau des fesses, mais au niveau de, même pas de l'entrejambe, au niveau des cuisses. Mais elle a fait ça aussi avec de façon les jetables, quand il fait chaud, le petit frottement. Le lissiolis. Maman, on a un nouveau Et bébé. donc, du coup, j'utilise ça. C'est pour aussi tout ce qui est démangeaisons, irritations et pour les piqûres d'insectes, ça fonctionne très bien aussi. Donc moi je prends ça et pour le moment ben, ça sert quand ils ont une piqûre d'insecte ou quoi, mais ou sinon ça sert très bien pour les petites irritations sur les côtés. Angelina 4 ans. Hein. Maintenant pour les tout bébés, les nouveau-nés, je vous conseille quand même de prendre Dermacrème, comme ça, les gros pots gris là. Moi je prenais Dermacrème, Nutella, ce genre de choses pour les tout bébés. Maintenant ici, Angelina elle a 4 ans, donc elle n'est plus. C'est pas un nouveau-né quoi. Donc voilà. Donc moi je l'utilise, elle fonctionne très bien en tout cas pour les petites irritations quand ils sont plus grands comme elle et qu'ils mettent des pampers ou qu'ils ont des irritations l'été, vous voyez, sur les entrecuisses et tout ça. Franchement, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci. Je commente moi sur newpharma.fr, mais enfin dans n'importe quelle pharmacie, on trouve. Il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, tu fais ta bouche. Qu'est-ce que c'est que le nouveau bébé? C'est Myrtille. Oui, parce qu'elle est mise dans un truc en Oui, chambre dès que je de dépose le coussin pour habiller et coiffer, etc. Angelina, Myrtille, c'est direct. Changer sa couche. Changer sa couche, oui. Attends, Donc voilà, on prend une couche. je suis à peu près prête. Je vais prendre une petite douche, mes cheveux sont pas encore tout à fait secs, nous sommes. Donc voilà, j'ai reçu ma colo. Donc je vais faire ma colo, la dernière, parce que après, comme vous le savez, on. Et on chute. Le 1er août, on décolore. Voilà, on décolore tout. Oh. Je suis entourée que de lait. Des laits bébés, des laits chats. Non, il va passer du bon chemin. Il n'est pas passé du Donc bon voilà, chemin. du coup aussi. Vinicius, tu ne vas pas écouter à la porte de plan, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Et mes enfants qui font des. Oui, après la kiné, comme je serai toute seule à Candina, je vais passer chez Crevate chercher quelques petites choses qu'il me faut. Comme par exemple du gel et tout ça pour les coupes des garçons, de la laque pour la Angelina, des bonbons, des pastilles pour le lave-vaisselle, parce que j'ai vu que j'avais plus de pastilles pour le lave-vaisselle, donc je pense que chez Crevate ils en vendent. Enfin voilà, je vais faire un petit tour chez Crevate avec Angelina avant de revenir ici. Ah, ils font des bêtises, hein, Myrtille. Ils font des bêtises.
Regardez. Il y a la maman Myrtille qui Attendez. surveille parce que regardez. Maman, Elle t'a la rapproche la caméra vers moi. Parce que oui, la tête qu'elle fait. Ça, c'est parce que les enfants font des bêtises derrière. Regarde. Alors, elle me fait comprendre qu'ils font des bêtises. Je vais vous manger. Vous voyez comment ça fait mordre et battre en allant dehors. Donc, du coup, on ne la laisse plus sortir. Il reste à l'intérieur un petit peu. Donc, voilà. Donc, moi, je vous abandonne. Je vous reprends après la kiné pour vous informer. Comment ça s'est passé? Pour vous informer, pour savoir comment ça s'est passé au niveau de la kiné, la première kiné d'Angie. On avait même pas encore déménagé. Maman, quand oui. elle est sortie, elle s'est fait battre. Oui, et donc voilà. Donc, en fait, elle s'est battue avec un bâton. Non, mais c'était ici aussi, après, elle s'est battue. Ouais, après, elle s'est battue et ça Je vais faire tout ça, puis je vous reprends tout à l'heure, après la kiné, pour vous tenir au courant. Mais de tout souvent, ça. Quand elle se bat avec Myrtille, nous, on les arrête, tu vois. Voilà. Mais en fait, nous, on sait voir quand elle joue, quand elle se bat pour jouer un peu. Et on sait voir quand elle se bat, mais pas pour jouer. Moi, je sais voir si elle joue ou pas. Parce que souvent, quand elle joue, elle voit que les enfants sont tous enfermés là derrière et elle sait qu'Angie est avec. Regardez. Et elle sait qu'Angie est avec dans la salle de bain des garçons et donc, du coup, elle est à l'affût, elle regarde ce qui se passe. C'est pire qu'un chien, ce chat, je vous jure. C'est pire qu'un chat. Elle surveille tout. Regardez, on vient d'ouvrir la porte et hop, elle surveille tout ce que les enfants font. Surveille tout. Donc voilà. Oui. Cette nuit-ci, elle a fait dodo avec moi et mon chéri. Il y a Myrtille qui vous surveille. Elle a fait dodo entre nous deux. Donc voilà, donc je vous abandonne, à tantôt. Et puis... Bonjour, je vous reprends, il est 13h36, on est rentré avec Angelina. On est allé à la kiné pour la première fois ici en Inde, ça s'est très très bien déroulé. Donc voilà, on y retourne mardi prochain, ce sera une fois par semaine pendant une heure. On est passé par chez Creuvat. Voilà, et j'ai acheté quelques petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, c'est parti. Alors j'ai été rechercher, oula, vous ne voyez pas bien, voilà. J'ai été rechercher des parties comme ça pour la vaisselle. Je n'en avais plus et j'ai payé 7,99€ pour les 63. Ça sent super bon. Pour les 63 petites capsules. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Slazenger des raquettes et des boules pour la table de ping-pong parce qu'on avait pris une table de ping-pong intérieure et il n'y avait pas de raquettes et de balles pour jouer avec. Donc, j'ai trouvé. Ensuite, j'ai repris 3 Tahiti goût fruit de la passion. Donc voilà, je fais souvent mes achats chez Creuvat. Tout ce qui est gel douche et tout ça, je les prends là-bas. J'ai repris la Sayos Invisible, c'est de la laque, pour Angelina. Parce que comme vous l'avez vu, on a coupé les cheveux très courts. Et donc, il faut structurer un petit peu. Donc, j'ai repris de la laque. J'ai repris une bague, pour moi je la trouvais super jolie. Voilà. Elle est assez grosse. Voilà, je sais la mettre à ce doigt-là parce que j'ai jamais rien pour mettre à ce doigt-là. Donc je suis assez contente. Je l'ai payé 6€. Ensuite, j'ai repris un mix de bonbons. Voilà. Il y a des cuperdons, il y a des dragibus. Il y a des petits poissons, enfin, il y a plusieurs sortes de bonbons. C'est des bonbons en vrac. Ensuite, j'ai repris 3 comme ceci, j'en aurai au moins pour 3 mois, parce que j'en utilise un par mois. J'ai pris Dry Comfort Nivea en vert. Donc voilà, il y en a un dedans qui est pour partir en vacances, et là aussi, il y en a un dedans, c'est spécialement pour partir en vacances. J'ai trouvé ces 2-ci pour Angelina. Il y en a un qui va partir en vacances, il y en a un qui va dans la douche ici. Donc, Baby Shark. Hein, et Pyjama Mask. Voilà. C'est tous les deux des bases de shower gel. Donc, ça fait shampoing et gel douche tous les deux. Donc, celle qu'elle a choisi. Ensuite, j'ai repris, hop, du Frizz Power Gel FX Fixation Ultime pour les garçons et l'autre Power Gel Super Glue. Pour les garçons, c'est du gel qu'ils vont mettre parce qu'ils ont coupé leurs cheveux et ils ont fait une petite structurée là, donc il faut y aller. J'ai trouvé des chocolats pour mon chéri et j'ai trouvé le double lait comme il aime bien Côte d'Or. Et j'en ai pris un Côte d'Or lait tout simple. Donc voilà.
J'ai repris pour mon chéri toujours de l'Axe High Chill. Donc c'est Lemon et Ice Mint. Donc voilà, ce sont des gels douche pour partir en vacances à mon avis. J'ai repris de l'eau micellaire nettoyante pour moi, pour utiliser avec mes petits de la marque Garnier, pour utiliser avec mes petits cotons démaquillants jetables, lavables, lavables. Ouh, attention! J'ai repris également celui-ci, le Soft Mousse Sense, la marque Essence. Je ne connais pas du tout. Je l'ai pris parce que vous savez que moi, j'essaie au maximum de prendre des choses en plastique comme c'est recyclable ou en verre quand il y a moyen de faire en verre. Ici, il y avait moyen de faire en verre. Donc, je l'ai pris en verre. Je ne sais pas du tout, c'est en mousse, mais il est très très clair. Je ne suis pas très foncé de peau, donc c'était autant. J'ai repris ça pour mes cheveux, pour faire un petit traitement au niveau de mes cheveux. C'est No Haircut Cream. Donc, c'est pour éviter de couper tout le temps ses cheveux et réparer au niveau des pointes. J'ai repris un mix de bonbons comme ceci, avec des sucettes et toutes sortes de bonbons. Ça, c'est plus pour les tout grands. Et alors, Angelina s'est repris. Angelina s'est repris un petit revolver avec de l'eau dedans. Et je crois que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Voilà, je vous ai tout montré. Donc voilà, j'en étais à 79 euros. Donc voilà, mais je suis tranquille pour un bon mois. J'y retournerai à mon avis une seule fois peut-être. Je verrai bien. Si je dois retourner avant les vacances ou pas, mais je pense pas. Parce que je pense que j'aurai assez pour faire ce qu'il faut. Donc voilà. Pour ce qui est de cet après-midi, donc les grands sont chez leur mamie pour la journée depuis 10h30 du matin. C'est mon chéri qui va, enfin, on va aller les rechercher tout à l'heure chez mamie avant de faire à souper. Ah, je me suis acheté ce sac-ci aussi. C'est un petit sac tout simple. Donc voilà, donc du coup, je viens de faire les tartines, etc. pour Angelina. Donc je vais remettre tout ça. Je vais vider la vaisselle, je vais le remplir. Je vais m'occuper au niveau du linge, replier le linge qu'elle a. Replier chez le cache-sécher, mettre sécher du linge, mettre tourner du linge, enfin, ce genre de choses. Ça, être à l'écha. Ensuite, ce bébé n'a pas l'air du tout fatigué malgré qu'il a fait 1 heure de kiné. J'ai repris ceci aussi, c'est ça, le petit revolver à eau. Il y a de l'eau dedans, il faut faire attention. D'ailleurs, je devrais laver après mon sol parce qu'Angelina a mis de l'eau. Et je ne sais pas si je vous avais montré le truc que j'ai pris sur Zeman, donc ça il faudra que je vous montre, mais j'avais déjà pris cette petite casquette-ci sur Zeman. Donc voilà. Et on a pris un grand arrêt en bois qui est là, chez Lidl, la marque Plétif. Donc voilà, donc du coup moi je vais passer un coup d'aspirateur. Je vais aller en haut chercher de quoi nettoyer le sol parce que j'ai mis ça en haut, je pense. Et donc je vais faire un peu de ménage sur l'après-midi. Et puis voilà, je vais voir aussi ce que je vais à souper, etc. Je reprends, il est 15h15, 15h20. Je parle pas trop fort parce que là, dans la maison licorne, il y a bébé qui fait sa sieste. J'ai nettoyé tout le sol, voilà. C'est tout propre ici. Et par là aussi, le sol est fait. Dans la salle de bain aussi, j'ai mis un nouveau sac PMC, j'ai vidé la poubelle de la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai re-rempli la vaisselle avec des petits verres de ce matin. J'ai pas encore rangé les trucs de chez Crevette parce que j'ai mon chéri qui va arriver tantôt, je lui montrerai. J'ai mal mis, voilà. Donc voilà. Tout à l'heure, il y avait un grave accident dans le centre-ville, donc voilà. J'ai attendu que tout soit fini pour pouvoir rentrer à la maison. Parce que je vais passer ce moment-là et enfin, je voyais qu'il y avait beaucoup de remue-ménage et moi j'aime pas trop de gêner les gens donc j'étais baladée, j'étais chez Creuvat et j'étais voir les montres pour mon chéri dans une bijouterie, tout ça. Donc, il faisait bon, j'ai pas trop chaud ni trop froid donc voilà, bébé en a profité hein, en poussette. Donc c'était pas trop ennuyant. Là, je viens de mettre tourner une machine, j'en ai mis sécher une, j'ai retiré ce qui était sec, c'était des. Tous les coussins qui sont dans la maison licorne, je les ai tous relavés. Ça fait du bien de fois de temps en temps de les relaver. J'ai changé la litière. Donc voilà, cool Raoul.
J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, j'ai téléphoné, les enfants sont sages sur leur mamie, ils ont joué dehors, puis maintenant je joue au PC, regarde la TV, ils colorient, ils ont dîné une petite tartine comme nous, hein. Ils ont mangé une tartine. Et j'ai sonné à mon chéri, donc tout le monde va bien, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai reçu la première demande de collaboration, donc j'ai hâte. Hâte, hâte de vous présenter ça. Mais voilà, je dois d'abord arranger, trier des tailles pour recevoir le fameux produit chez moi, qui est un bijou. Donc voilà, j'en ai commandé un parce que je trouvais que leur bijou était très beau et eux, vous m'en envoyez un gratuitement pour vous le présenter. Donc voilà. Et je vous les présenterai autant sur Instagram qu'ici sur YouTube. Et voilà, rien de plus ce soir, c'est des pizzas, je vais les sortir. J'avais pas envie de faire à manger aujourd'hui, donc on va faire des petites pizzas. Et les enfants vont manger leurs 4 heures chez mamie, évidemment, hein. Et mon chéri va les rechercher à ce moment-là. Et donc voilà. J'ai reçu le papier de la commune en rentrant pour aller chercher ma carte d'identité. Donc j'essaierai d'aller chercher ça. Je suis contente d'avoir enfin ma carte d'identité, comme ça je l'aurai avant de partir en vacances. C'est parfait. Et puis voilà, rien de plus, j'ai mis le fameux produit que j'ai acheté mat, enfin c'est un truc mousse comme ça, pour cacher, donc j'ai mis un peu ici au-dessus et un peu sur mon petit bouton là et là, pour cacher les petites imperfections, je ne mets pas sur tout mon visage, mais voilà, on voit un peu moins ma rougeur, et il me semble qu'on voit un peu moins mes petites cernes qui étaient assez prononcées. Donc voilà, j'ai super bien dormi cette nuit-ci, enfin super bien, je me suis levée 2 fois comme d'habitude, mais je veux dire, j'ai beaucoup mieux dormi que la nuit d'avant, ça faisait du bien. Donc voilà, rien de plus et rien de moins. La kiné s'est super, super, super bien passée. Il n'y a eu aucun souci. Angelina s'est super bien adaptée à la nouvelle kiné. Donc on va sûrement très, très bien avancer. J'ai hâte d'être en 7 ans pour la mettre à l'école spécialisée, pour qu'elle ait suivi pendant ses journées scolaires et qu'on puisse enfin avoir une grande avancée, à mon avis, à ce moment-là. Donc ça, j'ai vraiment hâte d'être en 7 ans pour commencer tout ça. Donc, du coup, moi je vais vous laisser. Il y a un chat tout laid là-bas si vous le cherchez. Sur la. Oui, il est laid. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous fais de gros 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 bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous dire, aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas d'avoir une pensée positive par jour, de sourire à quelqu'un, de protéger vos enfants au maximum, de prendre soin de vous parce que n'oubliez quand même pas que le virus il est toujours présent. Donc vivez, mais vivez d'une manière prudente. Et puis, allez voir les autres vidéos sur ma chaîne. Il y a des retours de course, etc. On se retrouve également sur Instagram. Poum, 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 qui vont arriver. C'est tout ce qui s'ensuit. Voilà. Case d'initiation, le pouce vers le haut, le commentaire pour le référencement. C'est très important, les pouces. Que ça soit vers le haut ou vers le bas, je m'en fous, mais c'est hyper important de mettre des pouces quand vous avez regardé la vidéo. Ça me permet d'avoir un référencement et d'être de plus en plus vu. Donc, s'il vous plaît, mettez des pouces, ça prend quelques secondes. Voilà. Mettez un petit pouce, comme ça, c'est bon. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À demain!